Antoine Bonnon cède son fauteuil à Sidi Koukarimou, qui prend les rênes de la Fédération béninoise de handball. Un jeune qui sait bien laver la main peut manger dans le même plat que les anciens. C'est ça. Continue, continue, et l'avenir est radieux pour le handball béninois. Le nouveau locataire de la FBHB a été plébiscité au cours de l'Assemblée générale élective à plus de 96%. Sidi Koukarimou reçoit l'onction de 25 délégués sur 26. Il va diriger la famille du handball béninois pour un mandat de 4 ans. Nous avons sacrifié à une tradition, celle d'une élection. Mais pour nous, ce n'est pas une élection, c'est un passage de témoin. Nous avons appris aux côtés du président Bonnou et il a décidé qu'il est temps qu'il reste à côté pour nous regarder faire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, comme le président Bonnou, peuvent envoyer le handball là où il est actuellement et décider de se retirer. Je voudrais vraiment que vous l'applaudissiez pour tout ce qu'il a fait. Il y a eu beaucoup de chantiers qui ont été aboutis et où la publication devait avoir lieu, l'information devait venir à tous les membres de la famille du handball et de la famille sportive béninoise. Mais il a décidé de tout mettre en veilleuse pour que ce soit nous, bureau entrant, qui viennent vous le dire. Sachez-le, tout de suite, tout ce que nous vous dirons dans les prochains jours, nous avons assisté le président Bonnou, mais c'est entièrement à son actif. Et pour ça encore, je voudrais qu'on le remercie. Nous savons que nous sommes attendus pour étaler le programme d'action des 4 prochaines années. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un passage de témoin. Nous allons continuer ce que le président Bonnou a si bien commencé. Et nous préférons nous taire. Nous ne voulons pas beaucoup parler. Nous voulons que vous nous regardiez sur le terrain, que vous nous regardiez à l'œuvre et que vous puissiez nous juger. Je reste à la disposition de la famille pour œuvrer ensemble au succès de la nouvelle équipe qui allie jeunesse et expérience. Nous comptons beaucoup sur vous et nous sommes convaincus que la jeunesse étant le fer de lance, dans les tout prochains jours, le handball béninois connaîtra de beaux jours. La nouvelle équipe de la FBHB a élevé Antoine Bonnou au rang de président d'honneur de la fédération. Une reconnaissance pour toute l'œuvre accomplie à la tête de cette discipline sportive.